aujourd'hui pour le 3e jour de vlog de la semaine. On est mercredi et ce matin je suis en route pour... Voilà, je suis éblouie par le soleil. Je suis en route pour le travail parce que malgré ma semaine de congé, comme je vous avais dit, j'ai 2-3 cours par-ci par-là, 2-3 shootings par-ci par-là. Et ce matin, c'est une matinée où j'ai un cours justement avec un petit croisé husky. Donc je me dirige vers le cours. Ensuite, j'irai déposer mes chèques. Et ensuite, j'ai ma journée. Donc je pense que pour midi maxi, j'ai plus d'obligations. Ce que je compte faire par contre, c'est nettoyer ma voiture parce qu'avec les chiens qui grimpent, qui mettent leurs traces de pattes et tous les déchets que je jette chaque jour parce que je mange dans la voiture, j'ai un monde bazar énorme. Donc aujourd'hui, alors je verrai bien, il n'y a rien de sûr, mais j'aimerais réussir à nettoyer ma voiture, ça serait cool. Par contre, il fait super beau, donc j'ai aussi envie d'aller faire du cheval, ça fait longtemps. Sauf que si je vais faire du cheval, je n'irai pas seule. Parce que je préfère en sortir plusieurs à la fois, c'est plus agréable. Donc à voir si j'ai des copines qui souhaitent aller faire une balade ou si je suis déter finalement cet après-midi. Voilà, on verra bien. Ensuite on retourne dans l'une des concessions moto qu'on a fait hier avec Timo pour parler un peu plus de la moto, de l'essai, de comment on l'achète, etc. etc. J'aimerais revendre aussi ma moto, donc à voir s'ils peuvent la racheter. Donc ça c'est un peu l'objectif de cet après-midi, approfondir un petit peu les recherches, puisque hier on a quitté cette concession très tard, donc en fait les ordinateurs étaient éteints, on n'a rien pu voir. Donc là l'idée ça serait d'aller voir en profondeur la moto que Timo a entre guillemets présélectionné, a choisi. On verra bien si ça se concrétise, rien de sûr, mais bon, on verra bien. Et qu'allais-je dire d'autre? Oui, il faut que j'aille chercher des croquettes pour chiens, il faut que j'aille chercher du pétrole parce qu'on n'a plus pour chauffer la maison. J'ai déjà fait le ménage, on fera aussi un tour aux animaux comme tous les jours. Et c'est tout. C'est déjà bien, je pense. Mais c'est tout, je crois. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà, mon cours est terminé, ça s'est très très bien passé, le petit Togo commence à bien progresser, ça c'est cool. Et j'ai une maîtresse qui s'investit vraiment dans l'éducation de son chien et ça, ça fait la différence parce que je vous assure que les huskies sont pas faciles à éduquer et elle s'en sort quand même vraiment pas mal et il a que 3 mois, donc ça c'est cool. Donc comme je vous le disais par rapport au programme de ma journée, après mon cours j'avais prévu de déposer mes chèques du coup à la poste puisqu'ils doivent être forcément déposés avant le 5, donc je suis en route pour les déposer. Je pense que je vais passer chez ma mère parce que c'est sur la route, donc je vais faire un petit coucou. C'est pas possible hein. Systématiquement à chaque vidéo vous vous pétez la gueule, il faut vraiment que j'investisse dans un trépied automobile, truc ventouse là, je sais pas si ça existe. Mais systématiquement en voiture je vous fais tomber, c'est vraiment terrible. Bref, c'est parti, on va chez la maman, je vais l'appeler avant de savoir si elle est dispo, mais c'est parti. Bon, on se retrouve, il est 13h, au final j'ai mangé chez mes parents et comme on a rendez-vous vers 15h, quelque chose comme ça, dans la concession pour la moto et que c'est plus proche de chez mes parents que de chez moi, ce que je vais faire c'est que je vais laver ma voiture chez mes parents. Voilà, comme ça, ça sera fait. J'irai déposer mes chèques avant d'aller à la concession et ça me fera des économies de carburant. Voilà. Donc on va partir là-dessus, donc là je vous embarque. On va nettoyer la voiture. Pas très intéressant, mais au moins ça c'est fait. Et comme ma voiture c'est une vraie poubelle, on va commencer par ranger et jeter tout ce qu'il y a à jeter. Est-ce que vous voulez être dans mon vlog de la journée? Trop tard. Il me faut du contenu. Alors, je vous interview. Donne-moi ton avis sur mes vlogs. C'est génial. As-tu vu le dernier vlog où la chèvre est née? Tu l'as pas vu? Mais comment voulez-vous percer sur YouTube avec une famille pareille? As-tu vu que t'avais laissé la porte ouverte et qu'il calme? On l'a fermé. As-tu vu? As-tu vu que je suis en train de travailler? Oui. La naissance de ma petite chèvre.
Je n'ai entendu parler, je l'ai vu sur Facebook. Est-ce que tu lui as trouvé un prénom? J'ai vu ta tête qui fait semblant de pleurer. Je dis, est-ce que j'ai pas fait semblant. J'ai pas pleuré déjà. N'importe quoi. Déjà, j'ai pas pleuré. Et c'était réel. Ah, Ramsus. T'es stressé. C'est tout pour vous? Est-ce que vous êtes content de participer au vlog du mercredi? Allez, on applaudit. On se retrouve, il est 14h30, là j'ai repris la route, donc au final j'ai eu le temps de ranger et aspirer toute la voiture. Alors j'ai pas fait un truc en profondeur puisque de toute façon les chiens vont remonter, donc éternellement la voiture sera sale. Mais bon, le plus gros est fait, le rangement est fait et ça c'est top. Je passerai quand même un petit coup de nettoyage sur tout ce qui est plastique, carrosserie et tout ça. J'ai fait les tapis aussi, donc ça c'est une bonne chose. Donc là j'ai repris la route, on va aller à la poste déposer les chèques et Timo est déjà en route lui de son côté parce qu'il bossait ce matin. On se rejoint directement à la concession moto dans une demi-heure. Il y a des chances que je sois un petit peu en retard, mais je vais me dépêcher. Voilà, c'est parti. Timo est parti essayer ça, notre potentielle future moto. Je l'attends, on verra ce qu'il en pense. Alors, très maniable. Alors, t'as acheté une moto? C'est un peu à nous deux du coup. Là pour moi t'as que acheté une moto pour moi. J'ai un papier. Est-ce que t'es content? Oui. Est-ce que tu vas faire une vidéo YouTube de présentation? Non. Regardez ce que mamie elle a pris pour vous. Vous êtes content? Ma cochon, t'es contente? En train de manger tes parents. Donc tu marches bien toi maintenant. Oh ouais, dis ma puce. Viens ma puce. Petite puce. Comme hier, elle est sur moi depuis 10 minutes et elle se laisse pas pouiller. Elle s'endormait tout à l'heure. Et pour ceux qui me suivent pas sur Instagram ou qui ont pas été présents tout à l'heure, je viens de lancer un live pour avoir vos avis pour un prénom pour elle parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Et je vous annonce qu'elle s'appelle Mulan. Oh la puce, Mulan, ça te va bien dit. T'es une guerrière, c'est pour ça. T'es arrivée d'un coup, t'as bravé le froid. Donc voilà Mulan. Bon, et bien c'est sur ce dernier plan accompagné de mes petits chiens que je vous dis au revoir.
J'espère que ce petit vlog du mercredi vous aura plu. Tu veux être sur la vidéo? Oui. Voilà, moi je vais aller faire le montage et vous poster ce vlog. Ciao, à demain!